Bonsoir tout le monde et bienvenue dans le journal Mitan Journée sur Télévision Nationale d'Haïti. Toute information qui concerne les conditions de temps, c'est Konya avec prévisionniste Wilner Polidor. Bonsoir Wilner. Merci Pasco, branché Télévision Nationale d'Haïti. C'est toujours un plaisir pour nous venir avec prévision météorologique. Et on a alors commencé à y sous région Caraïbes là. Nous avons un masse d'air qui est humide, qui est instable, qui toujours a influencé conditions météorologiques là, je dis, sous région Caraïbes là. Et cela veut dire que encore on a battu avec quelques averses la pluie, surtout sous région sud pays d'Haïti, parce que nous avons une persistance de humidité sous zone Sahara. Et aussi nous capables de vivre quelques averses sous le centre et la Tibonite, mais reste pays c'est vraiment très 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 isolé pour jeudi. Nous parler pour capitale avec zone qui environne, nous avons capitale aussi qui a en bas instabilité et humidité par rapport avec masse d'air là. Et aussi nous gagnons quelques averses là puis avec l'orage qui toujours était possible sous capitale avec zone qui environne, même si c'est quelques averses cap faible isolé et capable modérer sur certains endroits, mais n'attend aussi je dis à quelques averses là puis avec l'orage sous capitale avec zone qui environne, toujours température là paraît je dis à jusqu'à 34 degrés là monter là fait un peu chaud. Et la nuit là c'est 22 degrés Celsius. Nous avons la mer qui la mer est toujours agitée sous pays A, disons côte sud pays d'Haïti agitée, mais golfe de la Guadeloupe et région nord mais elle peut agiter capitaine pas un trop problème pour naviguer, sauf que pour côte sud pays d'Haïti faut prendre pile précaution, non seulement la pluie mais la mer là pas agitée à fort en sous zone Sahara. Et pour parler astronomique là soit là a couché jeudi à 6h55 et la le matin à 6h36 minutes. Mais pour j'en ai dit hier là, ouragan Isaac a toujours trouvé lié au niveau de océan Atlantique là et Jean-Noël là, dès demain, l'a trouvé lui très près de Akantia. Ceci étant dit, disons samedi, vendredi soir à samedi, Haïti ou bien Grandes Antilles est supposé concerné par situation cyclonique ça, mais UHM a suivi évolution système ça et n'a pas qu'une population informée. Si toutefois trajectoire attaque ou bien le tas des vieux n'a pas informé de comment évolution ouragan Isaac, mais nous toujours dit ça, les poko représenter une menace pour pays d'Haïti, mais dans jour qu'a venir on a plus précision concernant ouragan Isaac. Merci pour fidélité avec attention, n'a pas croisé demain pour notre page météo. Bonne journée ou bonne soirée à chacun de vous. Merci Wilner et bon après-midi. Dans l'actualité parlementaire, il y a 50e législature réunie lundi 10 septembre nan, en Assemblée nationale pour clôturer deuxième session ordinaire année législative 2018. La. Dans le discours circonstance li, président de l'Assemblée nationale, la, Joseph Lambert, soulevé importance pour Parlement, voter déclaration politique générale gouvernement. Sénateur Lambert invité chef l'État pour convoquer en Assemblée extraordinaire Chambre députée pour ça, en même temps pour voter un projet de loi électorale. La. Yon l'autre bord, sénateur Sidesla abordé question sécurité nationale là avec utilité pour un dialogue, vivre ensemble à respect yon envers l'autre dans le temps parlementaire. L'autre dossier, travail caravane changement, a continué dans le département Sud-Pays. Plusieurs kilomètres route, canal et caniveau a construit dans le département pour faciliter la circulation de moun et machine. Fanot Delphin et Laurent Dali Jean-Jacques a présenté un reportage. Travail ça yo qui campé à cause problème l'argent pas permettre élèves yo joindre un bâtiment tout neuf pour nouveau année académique 2018-2019 là. Dans la cour côté construction autant mais déjà reste matériel yo rete à terre. Construction yo rivé dans 60%, c'est celle couvri à aménagement et puis peinture qui manquait pour travail yo fin fait pour recevoir élèves yo.
Bâtiment ça a capran environ 1500 élèves pendant des vacations, l'a habité plus passé une dizaine salle classe, une partie administrative, une cafétéria, un bloc sanitaire ak yon infirmerie. Ouais porte lycée a ouvri dans mois octobre k'ap vini là, c'est yon nan principal souhait moun nan population Chantal là. Lycée Sylvain Sanlav, c'est seul lycée nan pays a ki te bay yon taux réussite 100% nan examen baccalauréat pour année académique 2017-2018. Là. Toujours dans ce qui concerne caravane changement, série travail dans le département Grandens, après poursuivre dans la ville Jérémy. Plusieurs localités en chantier, ça permet zone bénéficier de route à canal pour de l'eau passer, les lapli tomber et puis éviter inondation. Nous invitons à suivre notre reportage toujours avec Falot Delphin et puis l'aurore d'Arlie Jean-Jacques. Bétonnage route, asphaltage, construction canal à caniveau, c'est quelque travail caravane changement à réaliser dans la commune Jérémy dans le département Grandens. Responsable autant mais travail dans Ribois en tonnerre pour préparer route là, déposer asphalte dans zone 5 qui débouchait sous parc Saint-Louis. Dans Villa Saint-Louis, opérateur a déjà construit caniveau même Jean Acri Jean-Léopold Dominique. Technicien ministère travaux publics a travaillé même gens pour population Beké à Karakoli bénéficier yon dalo ça qui pral aider au les la pluie tomber. Chef lié département Grandanslan Jérémy c'est yon département qui a bénéficié construction à préparation plusieurs kilomètres route dans quatre caravane changement. Plusieurs élèves l'école publique ak privé prend chemin classio pour deuxième semaine l'école là. Lundi 10 septembre là effectif élèves yo augmenté dans différents lycées ak l'école privée. Moi vite au suivre. Pour deuxième semaine ouverture année académique 2018-2019 là, activité scolaire a continué dans capitale là. Majorité lycée ak l'école privée yo déjà rempli ak élèves d'après constat yo. C'est qu'à directeur lycée Toussaint Louverture, Rodrigue Duverger, expliqué que le lycée a déjà rempli à 80%. Nous maintenant, là, nous sommes capables d'avoisiner à presque 80%. Ça ne veut pas dire que les élèves ne pas venir, n'attendent pas. Définitivement, dans la deuxième semaine, pas de moyen pour les élèves attendre encore. Tant pour tant, c'est l'école là pour venir. Tu es l'école l'étalier, pas finalement et puis d'Amoclès qui dit que on a paquet, on a l'argent pour le bail, on a propre, faut chercher l'argent, faut un budget. Non, l'état réglé ça, il va qu'on est pour venir l'école. Jodi a, on nous dit que son lycée déjà son bail résultat là, il n'a pas le bail meilleur résultat, performance sans fait pour le rété, idem sans qu'il va changer. Pour permettre d'arriver à respecter calendrier scolaire qui gagne la donne 92 jours classe, directeur lycée Toussaint Louverture a annoncé, il prend toute disposition. Rodrigue Duverger souhaitait gagner un climat politique cap aider Timounio continuer à aller à l'école là. L'école là sont institutions qui ont de canaliser monde. Nous pas qu'à gagner société sans éducation et nous pas qu'à bâtir développement sans pas gagner des monde qui formé qui appelé pour ça. Nous tout pas qu'à faire ça qu'a fait là. Moi-même moi dans éducation. Moi pense que nous pas de mélanger éducation avec politique là. Et moi pense que politiciens tout connaît, ils ont une mission par eux. Moi-même moi j'ai responsabilité par moi. Seul bah m'a demandé monsieur qu'a fait grève yo, on quitter les vieux bah une chance. Que passe une bonne année académique. On pas t'arrêter même moi élève dans la rue, élève pas rien pour avec ça qu'a fait dans la rue là. Yo qui pour venir l'école. L'école là c'est là qui permet nous bien penser, bien réfléchir. Yon peuple qui pas formé, qui pas formé, qui pas apprendre, qui pas prend temps pour l'apprendre, la prend temps pour le penser développement. Dans l'idée pour faciliter tout le monde proche de l'école, l'administration Moïse là qui est conscient de la situation économique difficile population, a adopté un ensemble de mesures pour assister par an, tant que subvention, ouvrage scolaire, distribution matériel scolaire, pour ne citer ça seulement. L'autre nouvelle, directeur général ministère Kilt Evans Souffrant rencontré lundi 10 septembre, plusieurs représentants dans le secteur protestant. Chita parlé a été déroulé sous difficulté qui existait dans l'enregistrement de l'église, façon faire des nuits à organiser qui souvent dérangeait la paix publique avec mode prédication quelques monde qui identifiait comme pasteur à bail. Directeur général ministère Kilt la Evans Souffrant précisé, discussion ça y est rentré dans quatre démarches qu'a entreprendre pour mettre l'ordre dans le secteur protestant. Nous invitons à suivre un extrait.
à ce que le ministère Chita avec Pasteur Mackinson pour nous capables au moins garder avec lui au regard de la loi certaines choses face à certaines déclarations qu'il fait et qui est capable peut-être déranger et la société, déranger la famille et déranger certains mounes dans la société. Donc, je dis à nous avoir une chance, Chita avec toute grande personnalité, secteur, et nous avons une rencontre assez harmonieuse et assez discutée, eh bien, je pense que nous arrivons à certaines décisions qui sont capables, eh bien, mieux articuler dans le secteur protestant dans les temps à venir. Décision Sayo, c'est surtout sur, par exemple, les problèmes qui gagnent dans veille de nuit, dans le bout qui a fait, certaines familles qui n'ont pas dormi, peut-être certaines décisions, tout nous prendre des décisions face à des bruits qui a fait au niveau de pratique veille de nuit, pratique cinquantaine, 40 jours la prière, etc. Ça, c'est le premier bagage que nous chita nous garder ensemble et que pasteur yo promet que vous pourrez le corriger yo, parce que décibel yo, les yo trop fort, yo porté à tête hein, à certaines personnes. Et il y a l'autre décision, tout, nous après, parce que nous ne pouvons pas chita seulement sur réunion aujourd'hui, hein. Nous prenons le chita ensemble sur l'autre, dans l'autre réunion pour nous garder quelques autres grandes décisions pour nous prendre ensemble avec eux pour que au moins le secteur soit capable de mieux articuler. Par exemple, il y a une question de faux papiers et que certains monde a glissé dans le dossier pour être capable d'arriver à sermenter tout ça. C'est des décisions nous capables de chita garder ensemble, qui gens nous capables, eh bien, aider pour que, eh bien, moun kap vini ici pour yo assermenter que dossier yo capable des dossiers qui correct, dossier yo capable des dossiers qui, eh bien, répondent à ça que ministère a demandé. Donc, en un mot, réunion aujourd'hui, on capable de dire, c'est un déclencheur. C'est un déclencheur qui est lié dans la mesure où nous pas prêter seulement sous réunion aujourd'hui, mais nous prenons le chita ensemble hein, dans les temps à venir, en pile froid, pour nous capables au moins aider le secteur, reprendre place li, comme un secteur religieux fort en un pays et pour le bien du peuple. Dans l'occasion 55e conférence lundi la presse, ministère communication recevoir lundi 10 septembre l'an, directeur général Office national assurance travail, maladie et maternité, docteur Agabus Joseph. Dans l'occasion, directeur général l'a présenté différents instructifs sanitaires au FATMA à travers le pays, parmi eux, trois unités dialyse médicalisées qui dans l'ouest, nord, et sud. Docteur Agabus Joseph dressait un bilan positif sur fonctionnement au FATMA. Moi, je vais te suivre un extrait. CAPAM est inspiré en grande partie de Caravane du changement de son Excellence le Président Jovenel Moïse. Stratégie CAPAM, c'est aller dans l'usine, aller dans le ministère, voyez des techniciens qui font photo sur place et qui font remplir le formulaire. Prend document yo et même côté yo et mettre quatre là parce que assez souvent y a sacrifié au Fatma dit que le pas bail quatre. Cependant pour nous bail quatre là gon préalable qui c'est document pour entreprise nan voyer ba nous et à partir de document ça yo qui gain extrait d'archives de photos sin ou nif pour que nous fassions 4 yo, assez souvent, nous ne pas les documents, et puis c'est au Fatma, y a dit qui ne pas émettre 4. Nous-mêmes, dans la stratégie, dans la stratégie 4 PAM, nous allons sur place, dans l'entreprise et dans le ministère, pour que nous fassions les documents sur place, pour que nous ne prenions pas au Fatma à défaut. C'est ainsi que, non, bien fait stratégie 4 PAM, non. Pour secteur public, non. Ministère, nous avons trois entités que le président de la République, non, mandé que pour nous mettre, pour nous bailler en pile attention. Entité SAO, c'est les professeurs, les policiers et les professionnels de santé.
Et c'est ainsi que, au niveau de ministère Sayo, surtout au niveau de l'éducation nationale, pour les professeurs et les cadres administratifs, sous 23 511 cadres d'assurance, nous déjà émettons 14 882, et actuellement nous avons 3864 qui sont disponibles pour l'éducation nationale. Sous un effectif de 8027 assurés, nous déjà émettons 3781, donc rété environ 4000. Programme 4 PAMNAN a poursuivre toujours, et d'ici l'année 2018, Fode nous a fini à ministère. Pour PNH, on entité qui sensible en pile, sous 16 743 assurés, nous émettons déjà 9 694, pardon, il y a 7 053 qui sont encore imprimés, et actuellement nous avons 531 qui sont disponibles. Compagnie transport et scolaire d'IITE mobiliser toutes ressources personnelles dans l'idée pour offrir un plus bon service by élèves pour l'année académique 2018-2019. Là, nous invitons à suivre un reportage avec Fresnel Toussaint et puis Darlene Dorival. Dans l'occasion de la deuxième semaine rentrée l'école lundi 10 septembre 2018, là, plusieurs superviseurs, inspecteurs et l'autre membre de service transport scolaire d'IITE étaient réunis sous place Christophe sous Chanmas pour l'été environ une heure après-midi, divers élèves l'école publique qui sortent tout partout dans la zone métropolitaine étaient présents pour bénéficier service compagnie ça à Pofria. Compagnie transport scolaire d'IITE, c'est un engagement gouvernement prend pour faciliter transport gratis pour tout le monde l'école. Après un coup de pause, reste information, c'est pour tout de suite après. Dans le sport, sélection haïtienne senior a crasé l'équipe ce matin 13-0 hier soir dans le stade Sylvio Carton dans l'occasion premier journée de Ligue des Nations contre Cacafla. À l'étranger, sélection Portugal a battu l'Italie 1-0 alors que le Japon fait une belle victoire sur Costa Rica 3-0. À l'étranger, l'administration américaine n'a pas voix conseiller pour sécurité nationale Lee John Bolton menacé coup pénal international CPI pour sanctionner si toutefois institution internationale là t'a persisté dans mener enquête sur citoyen américain dans dossier contre crime la guerre qui t'a fait dans pays Afghanistan. Selon John Bolton, CPI pas gain aucune légitimité. Il fait connait pour administration Trump là coup pénal international c'est une institution qui mourit dans géo. Pays États-Unis pas de jambes ratifié et statut CPIA qui créé dans l'année 2002, contrairement à 123 autres pays dans le monde. Spectateurs, c'est là nous mettons en bout dans la deuxième sortie journal mi-temps journée pour semaine. Ça nous te prend pile plaisir pour informer. Restez sous TNH pour reste programmation. Bon après-midi, tout le monde.